Donc ouais, va falloir qu'on continue à... Faut qu'on tente de creuser l'écart sur l'étape 7. Au creusot. Faut qu'on essaye de creuser, justement. Magnifique, magnifique. Premier. Avec un coureur qui a ça comme note, hein. Faut remettre dans le contexte. 21 ans, il a ça comme note. Et là, on surdomine dans tous les sens. Enfin, on n'a pas commencé pour l'instant, on jubile, on est content, on savoure, on profite, mais on n'a pas commencé vraiment la montagne, hein. Donc, même pas du tout. On va vite déchanter après. C'est pour ça que là, je profite. Mais il faut qu'on creuse un écart le plus important possible. Dans les étapes de montagne, on va souffrir, c'est une certitude, mais il faut qu'on puisse tenir le plus possible également. Pour espérer faire un bon classement. Ok, plus 3. Sélective, ajoutée à une distance supérieure à 250 km, il ne serait pas étonnant que l'on assiste à quelques défaillances. Ok, je suis leader du classement général, du coup j'ai un immense avantage, c'est que je peux commencer, je peux bouger mes pions, entre guillemets. En plus ils sont tous en méga forme, c'est trop bien. C'est trop bien. Comme ça. Oui, il est combien? 19e. Ah ouais, il avait beaucoup de retard déjà. Oh là là, ce maillot jaune, il nous va si bien. Il nous va si bien. C'est le plus beau. Donc alors, nous, stratégie. Pour l'instant, je mets en x4 volontairement pour que ça avance vite, mais pas trop. Ici, rien. On ne reprendra rien. Donc là, il y a combien? Là, il y a 20 km. 20, 30. Donc là, c'est trop loin. La montagne Saint-Sébastien, c'est trop loin pour qu'on puisse tenter quoi que ce soit. On n'arrivera pas à tenir jusqu'au bout. Par contre, le signal du chon. Ça peut se tenter. La côte de la Gourlois. Ça peut se tenter aussi si jamais on n'est pas très bien tiré. Ouais. C'est deux endroits où on pourra tenter quelque chose. Après, à savoir, c'est une étape vallonnée, donc on va se retrouver dans la même situation que les deux premières étapes, avec un Julien Alaphilippe et Battistella, etc. Enfin bref, tous ceux qu'on avait vus lors des deux premières étapes, qui vont tenter, hein. Ils vont tenter aussi comme nous. Alors après, peut-être qu'ils vont pas tenter dès la deuxième catégorie, peut-être qu'ils vont vouloir tenter seulement là. Et donc, j'arriverai peut-être à prendre suffisamment d'avance pour aller au bout en solitaire. Après, je suis maillot jaune. Normalement, je devrais être surveillé. Comme le lait sur le feu. On a une endurance de 85. What else? What else? On a en plus 78 en descente. Hein, parce que, mine de rien... où ma souris est là. Mine de rien, la descente, ça pourra compter pour quelques secondes. Potentiellement, ça pourrait faire la différence. Ça tombe jamais. Donc là, bien. Bien. On est très bien. Tant qu'on arrive à avoir des plus 3, c'est top. Ce que j'espère, c'est qu'en montagne, on arrivera à avoir peut-être un plus 4. Déjà, on a un bonus de plus 3 pour la forme du jour. Juste ce qui est dommage, c'est qu'on est entre guillemets que plus 3. En fait, ça veut dire que sans mes bonus, j'aurai des formes du jour à 0. Ce serait bien qu'on puisse avoir des petits bonus en forme du jour pour atteindre le plus 4, voire le Saint Graal, c'est-à-dire le plus 5. Ce que j'appelle la forme olympique. Petite forme olympique en montagne et on est bien. Déjà endurance à 85, déjà avec ça on peut prétendre
On peut tenir le coup dans des étapes de haute montagne. Hein. Avec 76 montagnes là, 85 endurance, on est quand même pas trop mal. Sincèrement, il y a moyen de tenir. Alors pas de gagner, clairement pas. On reprendra quelques secondes, voire quelques minutes. Enfin, d'autres coureurs arriveront à nous reprendre du temps. Mais ça limite la casse. Ok, on commence à arriver dans le secteur compliqué. Pour l'instant, ça commence doucement. Nous, on reste à 70. Quitte à reculer un petit peu dans le peloton. Hein. Bon, là, c'est pas le cas. Parce que de toute façon, c'est du plat. Hein. C'est du faux plat montant. Donc, on est bien. Par contre, la troisième catégorie, il est raide. On va être clairement désavantagé. Ok, on va y arriver. On laisse en x2 pour le moment. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Même x1. Il pourrait y avoir des attaques. Le groupe d'échappé vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Max Walscheid est toujours là. Après, je pourrais toujours leur demander de se surpasser. Donc nous, il faut qu'on essaye de tenir en restant avec une note de 70. Enfin, une note, un effort de 70. Faut qu'on tienne. Mètres, ça devrait aller, hein. Alors là, par contre, je réfléchis. Ah non, mais lui, il est trop fort, par contre. 80 montagnes. C'est peut-être un petit peu trop pour moi. Par contre, ce qu'on pourrait demander, c'est faire la tour. Hop, moi, je le suis. Yamna, il me suit. La fait, du coup, bah finalement, je vais pas avoir besoin de lui. Je l'ai mis près de moi au cas où. Et finalement, c'est bon. Finalement, c'est bon. Et maintenant, comme lui, je le suis, j'ai accès à l'effort curseur. Ça, c'est la petite astuce. Hein. En fait, il faut se mettre derrière, suivre le coureur. Une fois qu'on le suit, on peut lui demander un effort curseur. C'est la petite astuce. Donc, du coup, je lui demande un effort curseur à 85. Comme ça, on remonte. Par contre, tant qu'on suit un coureur, on peut pas être protégé. Je peux pas demander à Kamna de me protéger. Sinon, ça m'enlève du... Ça m'enlève pas, mais juste, il veut pas. Il me dit non. Alors, j'aurais pu inverser. Le problème, c'est que Kamna, il est beaucoup trop fort en montagne, là. Et en fait, juste, ça va me flinguer ma barre rouge. Et je vais en avoir besoin. Alors que là, avec la tour, on va pouvoir monter un gros rythme. Mais je suis quand même protégé. Et puis, si jamais la tour ne tient plus, j'ai quand même Kamna derrière. Déjà 30ème, la tour 5 minutes il a pris. Et Kamna, 6 minutes. Le peloton a augmenté son allure. Oui, Walscheid, fais ta vie. La tour, surpasse-toi. Allez, mon grand. Ok, attaque de Kelderman. Ah bah alors, ah non, bah c'était pas les notes de Kelderman que j'avais vu alors. Mais ça me rassure. C'est plus logique. Là, attention à passer sur la zone noire juste après cette petite descente. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Oh, mais par contre, il est bien meilleur que moi là. Il est sur du 85, 500 mètres. Mais c'est du noir. Allez, maintenant. J'y vais maintenant. Et Kamna, je te demande de t'arrêter. Toi aussi, tu t'arrêtes d'ailleurs.
Les coureurs ont ralenti le tempo. Voilà, si on peut créer une légère cassure. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. On insiste. Non, c'est... Hop. Ok, nickel. J'ai fait ça exprès pour créer la cassure. Hein. Batistella qui me suit, il fait partie des hommes forts. Le risque semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Il fait partie des hommes forts. Hein. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Rattraper. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Kamna, hein, du coup. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Et on va tenter de reprendre plus ou moins la même stratégie. Démarrage de Vlasov. Ah bah eux ils ont attaqué au bon moment je pense. Ah ok, ça c'est bien ce qui se passe. On va voir si je peux. Forcé, oui, ça passe. Ça passe. On en faut plat descendant, quand même carrément en descente à un moment. On va pouvoir récupérer un peu de barre rouge. Donc, il y a une vingtaine de secondes, ils ont quasiment toute barre rouge, tout, parce que ça a monté super vite depuis le début. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut qu'on reprenne du temps de toute façon, faut qu'on creuse. C'est bien ça. La barre rouge qui remonte comme ça, ça va me servir pour la fin. 300 mètres, allez, on utilise la fin. Ok, ça passe. Ça passe. 4 victoires en 7 étapes. Qui dit mieux? Et merci Kamna et la tour, hein. Ils ont été très très forts. Kamna qui est revenu sur la fin pour me relancer dans la dernière côte. La course est C'était jouée, magnifique. Et les malheureux du jour continuent à arriver. C'est dur pour le moment. C'est ça, les avantages d'être leader, c'est ça et c'est tellement bien. Ah, j'ai adoré cette étape. Un vrai travail d'équipe ça. 4 victoires en 7 étapes. Waouh. Oh, mais il est beau ce coureur, il est beau. Mais il est beau ce coureur. 23 secondes de reprise, Batistella, Vlasov, Van Der Poel qui est là, Girmay et Jakobsen. Les autres 40 secondes. 3 minutes d'avance sur Joao Almeida. Batistella me fait un peu peur. Faut reconnaître que depuis le début, il est très très chaud. Alors on va voir en haute montagne ce que ça donne. Mais pour le moment, il a l'air d'être très costaud. Accessoirement, un petit peu d'avance. Mais bon, 10 points, c'est vraiment anecdotique. Ça, par contre, c'est pas anecdotique du tout. Hein. Là, on est clairement plus sur de l'anecdote. Waouh, là non plus, hein. Ah, il y a moyen de repartir avec deux maillots. Hein. Le maillot de meilleur sprinter et le maillot de jeune, je crois que c'est jouable. Très clairement, c'est jouable. 5, qui est-ce qui s'est rajouté? Florian Vermeersch. Bon. Donc là, on a bien rigolé. On a savouré. Maintenant, on va pleurer.
Enfin, avant de pleurer, on va d'abord suer. Et on verra si on a suffisamment sué pour pouvoir rigoler après ou pour pleurer. Hein. Mais là, voilà, c'est les formes olympiques, ça va être maintenant qu'il va falloir que ça arrive. Hein. Ah, ça fait toujours peur, ça. Col de Rome et col de la Colombière. Après, ici, je pense pas que... En fait, j'en sais rien, je pense rien du tout, en fait. Arrivé au Grand Bornand. Ah, le stress qui monte. Ça y est, je stresse. Attendez, déjà que j'ai perdu le Paris-Nice à quelques secondes. J'ai perdu le Critérium Dauphiné à quelques secondes. Et en vrai, j'ai peur pour le Tour de France. Non, en vrai, je pense que je vais le perdre à quelques minutes, le Tour de France. Donc, je pense que peut-être un top 10, c'est jouable, mais voilà, c'est plus ou moins ça. Là, comme ça, je dirais que ce qui est jouable, c'est un top 10, pour le général. De toute façon, voilà, comme d'hab, on donne tout, on rate rien et on verra. Bonjour à tous. Avec le redoutable triptyque Côte du Mont-Saxonnet, Col de Rome, Col de la Colombière, la première étape alpestre de ce Tour de France représente un rendez-vous important pour les prétendants à la victoire finale. Au soir de cette étape, certains auront probablement déjà perdu toute ambition au classement général. Bon, on a encore plus 3. On va voir ce que ça donne avec notre plus 3, du coup. Oh ! Ah oui ! Alors ça, je m'y attendais pas. C'est très surprenant. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il le laisse partir. Ok, Kamna, il va être juste trop bien. Avec encore plus 4, il a 80 montagnes. Ça va être mon lieutenant. Sinon, les autres, là, pour le coup, leur aide va être bien, mais... Mais voilà, quoi. Je vais voir, ouais, Thomas, si tu peux me couvrir dès maintenant, parce que ça monte en fait, là, mine de rien. Toi, tu fais ta vie, et toi, tu fais ta vie. Voilà. Alors, comment ça se passe en termes de stratégie? Baroudeur, 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 équipier, équipier. Kamna et la tour vont être très 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 utiles. Moi, faut que je sois le plus sage possible, constamment protégé, mais alors vraiment tout le temps. Et je vais laisser la course se faire toute seule. Moi, je vais juste essayer de suivre. Ah ouais, ok. Ah, ça va faire mal. On va être en souffrance. J'espère que du coup l'IA va plutôt bien gérer les choses pour pas que l'écart soit trop grand. On a un Battistella devant qui est troisième au général. Avec seulement 3 minutes 19 secondes de retard. Ce qui est beaucoup mais à la fois assez peu. Parce que c'est pas moi qui pourrais aller le chercher. Hein. Ils sont 26 devant. Le début de l'étape ne se passe pas sous les meilleurs auspices. J'espère que ouais, l'IA va réagir en conséquence. De mon côté, ça va vraiment être compliqué. Hein. Bon, après, du coup, on est à 76 montagnes, 85 endurance, donc c'est quand même pas mal. Faut que ça tienne. Par contre, 6 minutes, c'est beaucoup. Hein. 6 minutes, c'est très beaucoup. C'est très 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 beaucoup. 5 minutes d'écart entre le peloton et l'échappée. Ils prennent pas de relais, il y a Sénéchal devant. Pff, en vrai, 85, et puis tant pis s'ils sont épuisés avant le début de la montée. Hein. De toute façon, je compte pas trop sur eux pour la montée. Donc autant les fatiguer maintenant. De la 7 minutes, c'est vraiment énorme. Hein. Et ça me fait peur.
J'aimerais bien que quelqu'un me rapporte de l'eau par contre. Je vais demander ça à la fée. Il est encore assez tôt. Je pense qu'il est temps. C'est le bon moment pour aller récupérer de l'eau. Dépêche-toi mon grand avant qu'on attaque la montée. Ouais, parfait, il est déjà là. Ok, parfait. Ok, on démarre, on a 6 minutes de retard à 51 km de l'arrivée. Je pense que l'échappée arrivera au bout. Je vais les faire se surpasser. Alors, je pense que ça joue pour tout le monde, puisque ils ont le même. C'est au même stade à chaque fois. Je pense que se faire se surpasser, ça marche pour toute l'équipe. Mais j'ai pas de certitude là-dessus. Hein. Nous, on va rester à 70, hein, toujours important. Les deux ici, c'est fini. Démarrage de Chavez. Il faudrait que la Ineos roule. Il roule pas du tout. Il roule pas du tout. Ça roule un peu maintenant, ok, mais bon, il y a 9 minutes, quoi. Attention à cette descente, ce n'est pas le moment de chuter. Où est-ce qu'il est, l'affaire? Mets-toi devant moi, s'il te plaît. Baptiste là, il est devant. Ah, ça c'est mon chien qui se réveille. J'ai entendu du bruit dehors. Alors Thomas qui est là. C'est bien, c'est la Ineos qui roule pour le moment. Par contre ça roule un peu trop vite pour moi là. Hein. 75, on essaye de tenir. Et Moritz roule toujours devant. Tous les leaders sont devant là. C'est chaud. Je vais mettre 80, je vais pas avoir le choix. À 80 pour le moment, j'ai l'impression que ça se stabilise à l'avant. L'espagnol Mikel Landa a décidé de porter une attaque. L'attaque de Landa, c'est pas un bon signe pour nous, ça risque d'accélérer le rythme du peloton. Hein. Faut pas qu'on prenne de cassure non plus. C'est chaud. Plus grand monde derrière nous. Voilà, c'est pas vraiment la chose que je voulais entendre.
Ouais, là j'ai vraiment peur. Allez, 90, la tour. On sait que c'est un bon puncher. Allez, non, 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 non. Faut qu'on reste, faut qu'on reste. Ah, ça c'est terrible. Ça c'est terrible par contre. Comment on gère ça bah, là comme ça, comme je fais là, je pense. Aïe 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 aïe. On est mal. La tour, c'est pas grave, tant pis. Non, 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 c'est pas ça. Pour moi. Kamna derrière moi. Et moi, je mets mon petit rythme. Allez, vous, surpassez-vous. Kamna, non, tu m'as pas entendu. Quoi. Ok. Entouré encore, donc pour l'instant on arrive à entre guillemets limiter la casse comme on peut. Kamna c'est pas un bon puncher, donc on va pas trop insister. Après je suis pas forcément meilleur que lui, on va rester comme ça. Il reste 4 km d'ascension, si devant ça ralentit, allez, ça attend. D'avancer quand même, pas qu'on lâche nous. On n'aura pas à ce rythme. Oh là là, on tiendra pas à ce rythme. Et je commence à être cuit. Bernal, Roglic avec nous, Landa. Ok. Pogacar est juste là. Battistella est là aussi. On s'accroche. Il faut qu'on fasse une descente de malade. Il faut qu'on donne tout. Dès qu'on peut, on attaque. Et devant nous, il y a Bernal, Carapaz, Roglic, Landa, Ardilla, enfin, il y a tout le monde. On arrive au moins à les rattraper, ceux-là. Allez, si Kamna peut prendre ma roue, c'est bien. La victoire de Nance Peters. Descente acrobatique, on tente. C'est risqué. C'est risqué, c'est risqué. Ah là 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 là, on est tombé, évidemment. Radio Tour nous a annoncé une chute. Allez, relève-toi, mon grand là. Voilà, on est tombé, dommage. Et Battistella est déjà arrivé. Ah là 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 là. On va attendre les retardataires qui semblent nombreux sur cette course difficile. Ah, avec cette chute, on a perdu facile une bonne minute. Hein. C'est peut-être ça qui va nous coûter le maillot jaune.
Alors, on va voir. Je sais pas du tout combien j'ai de retard sur les principaux leaders. Je n'ai pas la moindre idée. Ça va être la surprise. Allez, podium. Batistella, 4 minutes 16. Ah oui, il y avait Alaphilippe, il était pas si loin que ça. Alors je suis toujours devant Batistella, j'ai encore une minute d'avance sur lui, 1 minute 10. Donc, par rapport aux principaux leaders, je m'en sors bien. Par contre, Julien Alaphilippe, il a fait une étape de fou furieux. Hein. Lance Peters qui est là, du coup, à 4 minutes 22. Évidemment, voilà, hein, le classement de meilleur grimpeur commence véritablement maintenant. Classement par points, évidemment, je suis toujours là, j'avais déjà pas mal d'avance. Là, il y a Tobias qui a pris un peu de temps, ok. Donc on est deuxième du général. Mais on a encore un petit peu d'avance sur les principaux leaders, donc en vrai, c'est pas désespéré. Alors ça devient plus compliqué, c'est sûr, mais c'est pas désespéré. Après, s'il y en a un ou deux qui peut tomber, hein. Ça nous arrangerait qu'il n'y ait pas que nous. Après, j'ai un peu cherché avec la descente acrobatique. Mon cycliste n'est pas un acrobate, vraisemblablement. Bon, bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu pour cette première partie de Tour de France. Et donc, bah, on se retrouvera bientôt pour la suite de la carrière de Heikki Christensen et de son incroyable Tour de France. On rappelle, on a fait 8 étapes et on a gagné 4 étapes. Hein, voilà. What else? Allez, salut tout le monde, des bisous et à bientôt sur la chaîne. Bye.